Salut, c'est encore une fois Givralgix, et là c'est pour vous ouvrir. Après l'ouverture de la box de Typhlosion la dernière fois, enfin tout à l'heure, je vous ouvre la Pokébox de Raikou Chine. Donc voilà. Là vous voyez que c'est déjà ouvert, mais c'est parce qu'en fait j'avais commencé à ouvrir à 5 vidéos. Mais comment dire? En fait j'avais oublié, je voulais ouvrir, vous voyez le booster du maniaque de tout à l'heure. Je voulais le mettre avec la box. Donc voilà, c'est. Et donc j'avais déjà commencé, donc je me suis arrêté. Donc je suis vraiment désolé. Donc voilà. Mais c'est. Je n'ai pas triché, il n'y a que ça d'ouvert, je n'ai pas regardé et tout et tout. Donc c'est parti. Au moins ça fait aller plus vite, hein. Faut être persévérant. Donc vous voyez, Gibrali, hein. Il est au rendez-vous. Hop. Alors, là, c'est un livret avec trois règles. Enfin, pas des règles, mais c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent ce qu'il y a dans les box. Donc voilà, donc. La très belle box qui est Raikou. Shiny. En plus, ce chien légendaire, je crois que c'est mon préféré des trois. Ouais, si, c'est mon préféré. C'est mon préféré des trois chiens légendaires. Voilà, très très beau. Bon, je suis désolé, je peux pas approcher, sinon on voit mal. Mais il est vraiment très beau, hein. Vraiment très beau. Voilà, ça, je mets ça là-bas. Et en plus, il contient une autre carte. Ah bah, mon vieux. Je suis gâté. Donc là on voit Raikou Chine. Et là on voit Raikou normal. Qui est lui aussi très très classe. Ah ouais, il est formidable. Donc voilà. Ensuite on voit là par exemple ils nous disent standard et brillant. En fait c'est Chine, hein. Et ils nous montrent pareil pour Suicune et Raikou. Donc cette box contient 4 boosters comme les autres. Attention à ne pas cacher Gibrali. Elle contient un Barbode Soul Silver déchaînement, Platine Vainqueur Suprême Rayquaza, Platine Vainqueur Suprême Cœur Chakrok et Platine Vainqueur Suprême Absol. Avec mon petit bonus, un Artgold Soul Silver Lugia. Donc je commence avec l'Artgold Soul Silver Lugia. Mais je vais essayer de faire un petit peu plus de place. Voilà. C'est parti. J'espère avoir des bonnes cartes. Ou comme qui dirait des Arceus. Mais bon, voilà quoi. Alors, on a Tournegrin. Attends, vous voyez mal. Tournegrin. Magikarp. Watt-Watt. Ouh, il y en a une bonne. Ouh! Je rêve une carte de légende, je vois un tout petit peu, mais je vois que c'est une carte de légende. J'en ai jamais eu. Ramolos, Rondoudou, en reverse, Ramolos. Ah, tiens, Ramolos encore. C'est la même en plus, c'est en reverse, elle est très belle. Et. Oh, Lugia légende! Oh my god! C'est mon premier booster de Gold Soul Silver que j'ouvre. Et qu'est-ce que j'obtiens? Lugia légende, une première légende! Elle est vraiment très très belle. Waouh. Oh mon gars. Oh. Oh magnifique. Ah, oh, très très bien. Waouh. Alors là, attendez la reverse. Waouh, très bien. Ensuite on continue, Florisson, Flagados et Pêcheur en supporteur. Waouh. Oh mon jeu dès le début de légende. Impressionnant, n'est-ce pas? Oh la vache. Ah, je vous jure, je n'avais pas ouvert le pack, je ne m'y attendais vraiment, vraiment, vraiment pas. Waouh! C'est donc à ça que ça ressemble en vrai. Ah ouais, c'est vrai que c'est classe. Waouh! C'est même plus que classe. C'est divin. Allez, platine vainqueur suprême, Absol. C'est parti, mes petits amis. C'est parti, les petits amis. Attendez, Raikou, je vais me mettre avec les rares, hein. Voilà. Et Raikou Chine, je le laisse là.
Alors, on a ce ribou, Etourmi, Magnéti, Pikachu, Rakaillou. Oh la vache, c'est pas vrai! Oh! Rien comme ça de Cynthia! Oh, oh la vache! Oh, il est trop beau! Oh, comment qu'il est beau! On voit pas parce que, avec mon appareil, il déconne de près, mais je vous jure, comment il est beau, Rayquaza de Cynthia! Oh, oh mon gars! Et en plus, Arceus de type feu derrière! Oh la vache! C'est pas vrai! Rayquaza! Lugia légende! Arceus! Oh! Oh, Arceus! Ensuite. Musteflotte. Waouh, Dracolosse de Battle Frontière. De connard. Lockpin. Enfin, Lockpin. Non, oui, c'est Lockpin, je crois. Oh la vache. Oh mon vieux, de très très bon booster. Oh, oh je ne m'y attendais vraiment pas. Arceus. Arceus Feu, pardon. Le Lugia Légende et Rayquaza de Cynthia. Vraiment, vraiment, vraiment de très 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 bon booster. Maintenant, Karchakrok. Voyons si Noctuflav et Monsieur Karchakrok vont porter chance avec leur Pokémon préféré. Dans la dernière, dans la Pokémon de type oiseau, il me semble que oui. Hein. Parce que j'ai eu des Arceus, je crois, et je sais même plus. Ouh, il a l'air assez épais, donc ça m'a l'air assez convaincant. Alors, on a Nosferapti, Terral, Mime Junior. Oh, un Arceus. Ah, je sais déjà qui c'est. Je sais déjà de quel type il est. Arakdo, Dodio, Lamantine et Arceus Metal encore une fois. Yes. Oh, je m'en lâche un, mais il est vraiment très très beau. Waouh, très très beau. Ensuite on a Salle de Maître, Castorno, Armure de Battle Frontière et voilà. Et Lamantine qui est en rare. Donc normalement il doit y avoir au moins deux cartes par pack donc. Une, deux, et une, deux. Ok. C'est bon. Waouh. Oh la vache. Purée, que des très bons boosters. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai quand même eu un Arceus. Même si c'est pas trop celui que je voulais, parce que je l'avais déjà. Mais quand même. Un Arceus, quand même. Maintenant, Rayquaza. C'est parti. C'est dans un pack Rayquaza que j'ai eu Rayquaza de Cynthia niveau X. Et c'était dans le premier pack Passive Vainqueur Suprême que j'ai ouvert. Et c'était un pack de Rayquaza. Que j'avais obtenu dans un livre, hein, comme en Maniac. Voilà. Alors, on a Caninos, Otaria, Pijako, Paras, Meditica. Normalement, on en a une bonne derrière, je pense, mais je suis pas sûr. Ah non, peut-être pas. Alors, Camerupt en reverse. C'est les rocs. Bon, il est en rare quand même. Ensuite, on a Raichu, Arcana et Togekiss de Cynthia. Waouh. C'est vraiment des très bons boosters. Hein. Il faut l'avouer, il faut être franc. Donc là, j'ai quand même tâché de me dépêcher un petit peu. Ambiance Silver d'échaînement de Nostanfer. Alors c'est mon pro... Non, c'est pas mon premier Arbiot Silver d'échaînement. Mais c'est mon deuxième. Ouh, il a l'air convaincant. Oh oui, il a l'air d'avoir une bonne carte. Je sais pas, j'ai vu une carte briller. Mais je sais pas laquelle c'est, par contre, je le jure. Ouais, là, on la voit briller un petit peu, je sais pas si vous la voyez. Mais... Donc Tortipousse, très mal fait. Terral, Capumain, Magmar, Carapuce, Onyx Reverse, bof. Ah cool! Oh il est trop beau! Oh il est trop mignon! Babafi! Oh comment qu'il est beau et mignon! Oh. Oh. Ensuite on a supporter, encouragement, hystérique. Ah salope! Seriflore, Chabalo. Voilà, donc c'est tout. Oh trop mignon Babafi! Attendez, je vais vous le remontrer une dernière fois. Très 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 mignon, regardez-moi cette bouille. Oh, il est tout mignon. En plus, c'est vraiment très très beau. Ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas voir avec mon appareil. Mais sinon, il est vraiment très très beau. Alors, je vais trier, voilà. Alors,
Onyx Reverse, c'est les rocs. Camerupt Reverse, Lamantine, Arceus Metal, Arceus Feu, Rayquaza de Cynthia, Lugia Légende, Ramolos Reverse, Manaphy et Raikou. Et bien sûr, son cousin, Raikou Shiny. Voilà, donc une très 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 bonne box. Donc bah, je vous dis rendez-vous tout de suite pour une vidéo. Par contre, ça sera de Yu-Gi-Oh! Donc voilà, allez, à tout de suite!